Ah monsieur, ça vous dit de couper du beurre avec moi? Non, désolé, j'ai pas le temps. Oh. Enfin, la vampire, la maison brûlée. Ah monsieur, j'organise un mariage. Ah! Cible éliminée. Vas-y, fonce Tristan, je te couvre. Et dis pas merci, connard. Ah, c'est jeune. Tristan, je suis ton père bourguignon. Non, c'est impossible. Non, ça ne peut pas. Non. Sélectionnez votre sac à dos et cliquez sur le rouleau. Vous êtes maintenant 5000 abonnés à la chaîne YouTube. Maintenant un an que vous nous supportez, que vous rigolez, que vous avez aimé, que vous avez commenté. Sans vous, nous n'en serions sans doute jamais là. Sans Lignan, la chaîne n'aurait sans doute pas évolué comme maintenant. Un grand merci à lui. Un grand merci à vous. L'aventure ne fait que commencer et j'espère que vous nous suivrez. Nous sommes là pour vous amuser, pour vous faire rire. Des délires en son nez. Couper du beurre. Bœuf bourguignon. Merci à vous. C'est quoi ce bordel? Oh putain de merde! Machin, collègue. Mais c'est bien fait pour toi, tu ressembles à des toilettes en même temps, avec ton rouge fuchsia, sale gay. Non, jamais. Je suis libre. Je vole comme les papillons de l'Astérix. Je vole. J'avais sauté. Je vais... Trop de mal. J'avais sauté. J'avais sauté. Ah. Une balle, ça me fait ça. Aïe, mais vous... Viens là, toi. T'es sérieux, là? Tiens! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain! Oh mais ça tire dans mon appart! Ah, faut se calmer là dehors, hein. Faut se calmer! J'ai acheté ça, c'est bon? Monsieur, ouvrez cette porte! Merde! Non! Oh putain! Je vais avoir besoin de lui! Oh putain! Allô? Viens m'aider! Vite! Viens au chef! Y'a deux mecs! Reste sur le balcon! Salut, salut! Et à toi la porte! Tout de suite! Ouais, tout de suite! Oh putain! Je suis dans la merde! Y'a personne! Oh putain! Oh la vache! Oh la vache! Putain, j'ai bien fait d'acheter le balcon, hein! Je me rappelle, un jour avec Lignan et Pujolat, on avait fait ça, et ils sont rentrés par le balcon, on s'est bien fait baiser. Eh, mais y'a quelqu'un sur le balcon là! C'est moi, c'est moi! Ah, mais non, c'est pas toi! C'est pas moi! C'est un bot, ouais, c'est un bot, hein, Mikouya. Ok, merci. Y'a rien? Ah oui? Donc. Pourquoi? Où est-ce que vous avez des personnes à l'intérieur? Du coup, okay. Mais toi. Les gars, vite, va go, go, armé! J'ai pas d'armes. Tiens. Elle est ouverte la porte! Ouvre cette porte! Elle est ouverte!
Bon, la porte, on débarque avec nos SWAT. Mais elle est ouverte, la porte. Les gars, il y a du boulot. Oh putain! Avancez-moi! Plaisir, on sur... mais on recrute pas. Oui, allô? Vous avez appelé, monsieur? Oui, je vous ai appelé, c'était pour éliminer une tâche. Ah, parfait, monsieur. Vous voulez qu'on se retrouve quelque part? À la cité à côté de, du Taco Bell. Ah, ok, j'arrive tout de suite, monsieur. Bon, bah, le premier boulot de la soirée, hein. Merci du follow, mec, ça fait la plaisir, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Salut, salut. Ah, il est là, la personne qui m'a appelé. Ok, Thomas, ça veut quoi la femme, la pistache? Ah, je prends. On parle tout, on parle tout, Thomas, une communication, on parle toutes tes armes, on parle tout. Vas-y, suis-moi. Ouais, j'arrive. Putain, fais chier. Ah, c'est bon, j'ai enlevé les gars. Ah, monsieur, monsieur, voleur, sors. Sors. Ouais, t'inquiète, je sors. Bah, toi, tu sors aussi après. La 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 la. Salut, tu veux quoi? La la la. C'est Lilian? Oui, c'était Lilian. Là. Bonsoir, les gens. Salut, Anthony, ça veut quoi la forme de la piste? Tâche! Ah, j'ai entendu des coups de feu dehors, moi je dis ça, après j'ai rien. Non, j'ai entendu aussi, mais... Là. Est-ce que je peux moi me lever, mais j'ai pas le fesse. Okay. J'ai des hématoroïdes. Attention par contre, monsieur... Bah, d'accord. I should have to go, we speak my life. I will get you on, we speak my life. When I'm a quarry, I'm a quitter, pass for night, tonight. Waste of hour, I'm gonna win with a girl tonight. Ah bah je suis en haut. Pass my life. Merci, vous m'avez sauvé la vie. De rien. De rien, on t'a vu, on t'a vu comme un mongol te faire prendre en otage. Puis c'est même pas ma voiture. En chemin, Mazus, en chemin. Bon, on a une raison pour laquelle on vous a libéré. Ah ouais. Salut poteau, salut grotique, ça veut quoi la femme à pistache un an, mais en prison. Ah, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous comprenez? C'est pas moi. Un bœuf bourguignon. Merci, chancelier. Cuisine de pays par non. Du bœuf marié. Non. Savoureuse petite pomme de terre. Je viens de dire. Non. Mais c'est pas moi, c'est mon père qui a fait ça. Vous êtes combien? On sait pas. Et alors, je m'en fous, je veux une vengeance de la famille. Bah non, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Aïe 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 aïe. Putain. Tu bouges pas. Tu bouges pas, putain. Voilà. De quoi voulez-vous me parler, monsieur? Donc, comme je vous disais au téléphone, j'avais quand j'ai fait ma formation. Non, pas parce qu'on est né, monsieur. Il est super ça, il est stable maintenant. Qui a donc réussi sur mais c'est parce qu'on a pas de nuit. Pour être supérieur. Et là, je comprends. J'ai malheureusement pas réussi mon grade. Donc, je suis moins puissant que lui et je supporte pas ça. Donc, ah, en fait, j'aimerais, si possible, éliminer cette tâche. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça serait vraiment superbe. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Donc, est-ce que c'est possible de d'éliminer la tâche Mettez-moi le papier et puis bah, je l'ai fait. Sachant que c'est quand même une personne qui est maintenant gradée garde du corps. Vous inquiétez pas, monsieur. Je m'y connais. Salut, trop vite, ça veut quoi la forme, la pistache? Très bien, bah, je vais prendre un test-note. Je cherche le papier. Ouais. Hop, hop, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé, je vous l'ai mis dans. Ah, tiens. Monsieur, t'as plus. Voilà. Voilà. Trop de suspects! Trop de visu! Monsieur, monsieur, cherchez quelqu'un. Oui. Est-ce que vous pourriez me mettre le contrat sur monsieur Nasus Doc, s'il vous plaît? Avec plaisir. Et moi, je peux vous donner un. Allez-y. Contrat. Salut. Donc, salut gamer, ça veut quoi la forme de la pistache? Non, j'ai pas de bombe nucléaire. La bombe nucléaire, j'ai pas de bombe nucléaire, les gars. Pourquoi pour lui? Pourquoi Jean Pepperoni?
parce que j'ai envie. Ouais, bah je vais être dans le regret de devoir refuser du coup, monsieur. Monsieur, je vous paye. Donc je suis le client héros, je crois. Ouais, mais il me faut une raison. Il a battu ma femme. Vous comprenez ça? C'est ça, ouais. Je peux pas le dire. Shadmin, oui, Shadmin. Ouais, Yakar, ça suffira. Je m'en occupe. Attends, je vais dire ça. Bonjour. Bonjour, merci lol, PCO, c'est ça, plaisir, bienvenue à toi. Je voudrais acheter une arme s'il vous plaît. Bah sinon il y a j'ai un petit pistolet ou un, j'ai un petit pistolet qui fait hyper mal, ça s'appelle le Raging Bull. Monsieur, monsieur, on va pas passer par quatre chemins, j'ai 1 milliard, vous me conseillez quoi? Bah le Raging Bull et le M3 Super. Vous vendiez pas de fils d'assaut vous? Monsieur, je crois que vous êtes le tueur à gage, non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, vous êtes un peu avec des jumelles, c'est un peu bizarre. Bah pourquoi? Puis demain je suis mort. Ah bon? C'est bizarre quoi, on se promène comme ça avec des jumelles. Oui, bien sûr, Grotix, je me rappelle. Je sais pas moi. Ah, personnellement, ça me rappelle Splinter Cell. Hein. Bah voilà, moi je suis du cosplay. Cosplay. Je suis du cosplay moi. Allez-y, je. Ouais. Ouais, j'ai des contaminations, voilà. On va parler, monsieur, les gars. Vous voulez pas qu'on aille vraiment à l'arrière, parce que là, il y a des gens qui peuvent nous voir, c'est assez chaud. Non, c'est bon. D'accord. Les gens, salut Paul, ça veut quoi la femme? S'il vous plaît, monsieur. Ah, évidemment, je serai armé, vu que, bah voilà, je suis un peu... Je fais mon métier, vous savez. Okay. Il y en a plus de 400. Ça fait hyper mal. Ah oui, quand même. Oh, qu'elle est belle. Ah ouais. Vous avez toutes les munitions? C'est un truc de ouf. Ah, par contre, monsieur, il manque quelque chose sur cette arme. Vous avez des silencieux? Deux, si c'est possible. Même 82, alors je viens. Oh, elle est trop belle. 12 000, s'il vous plaît. Tristan, vous savez quoi faire? Ouais. Monsieur Tristan. Ouais, c'est bien. Voilà. Merci. Lui. Merci. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Vous êtes sérieux, là? Je fais comment pour sortir? Oups. Je fais comment pour sortir? Pas fait exprès. Oui, vraiment. Monsieur? Oui, monsieur, est-ce que vous parlez d'illégalité, s'il vous plaît? Pardon? J'ai besoin de vous. Si vous travaillez dans l'illégalité, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Pour faire quoi? Bon, j'ai pas de bombe, désolé. Alors. Pour accomplir une tâche, s'il vous plaît, pour moi, je vous demande de tout cœur. S'il vous plaît, je vous demande de tout cœur. Oh putain! J'ai reçu une boule. Viens là, toi! Viens là! Viens là! Viens là, là! Viens là, d'où tu tires sur moi! Attends, pourquoi tu veux tuer? Faire d'or. Parce que j'avais un contrat sur lui. En fait, je suis monté comme lui en haut. Je suis monté comme lui en haut et j'ai voulu reprendre mon props pour supprimer. C'est ça, ouais. La pistache au calme. Pourquoi? Ok, il aime. Je sais pas. Je me mets un psychopathe avec toi. Bah, la sentence est irrévocable. Le conseil de ce soir a décidé de vous éliminer. Pendant combien de temps? Bah maintenant. Il est pas mort. Désolé, je prends pas la formule. Il y a eu pitié de vous. Pour cette fois. Et là, il a eu encore pitié de moi. Vous êtes ouf. Je suis admin. S'ils voient qu'un admin joue pas RP, ils vont pas venir, les gars. T'as mais wesh, ouais, voiture partout. Merci, Dark. Darkel, ça fait la plaisir. Bienvenue à toi. Oh, man. Oh, il s'ouvre le feu, c'est con. Ah, viens là, toi, là. Viens là. Ça va, te faire du rodeo avec ta voiture? Va contre le mur, la belle. C'est pas ma voiture. C'est pas ta voiture, tu te fous de ma gueule. Viens, allez, suis-moi. Va contre le mur, là. Avec douceur et chocolatine. La. Oh, une M24, hein.
Une petite M24, vous m'entendez mon collègue? Une M24. Je l'ai de base, la M24, c'est chaud. Genre, bah, tu l'es... Bah, mais tu faut l'améliorer la voiture, monsieur. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais après, j'ai des armes limitées. Bah, oui, mais tu te la reprends après. Bah, monsieur. Monsieur, j'ai voulu demander une licence d'armes, mais il y avait pas de. Ouais, bah, monsieur, vous allez faire un petit séjour nulle part. Vous allez tout simplement faire une petite amende, d'accord, de 200$. Et vous irez chercher. Je puisse mettre mes mains dans mes poches. Ouais, bah, je vous attire, allez-y. Je vous libère. Je suis mort. Merci, Loulou, me dire. Allez, 200$ pour cette petite amende. Parfait, monsieur, je vous laisse partir, au revoir. Merci, monsieur. Oh la grosse erreur, sortez du véhicule tout de suite! Sortez du véhicule! Attendez, monsieur. Sortez du véhicule! La voiture était ouverte! Sortez du véhicule tout de suite! T'as de véhicule! T'as de véhicule! Allez là, tu vas vite faire contre le mur encore une fois, mon petit coco! Alors, comme ça, c'est pas ta voiture! Tu te fous de ma gueule en plus! Non, elle était ouverte, je suis. Ouais, bizarrement, moi, elle était pas ouverte quand j'ai tenté de rentrer dedans, hein! Oh là 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 là! En plus, ça ment à la police! Ça ment à la police! Ah là 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 là! Aidez-moi, s'il vous plaît! Non, personne vous aidera, monsieur, pour abus d'alcool, non, je rigole. Je vais vous envoyer au trou, hein, comme on dit, dans le milieu. Je reviendrai vous chercher d'ici quelques minutes, d'accord? Enfin, quelques années. Ah, monsieur, bon séjour en prison, hein. Comme je on dit. Je vous retrouverai, monsieur, je vous retrouverai. Ouais. Je vois. Allez hop, ça s'y fait. Ah, vous bougez plus, vous contre le mur! Contre le mur, viens là! Contre le mur! Oui. Tu viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Tu vas contre le mur, là, tout de suite, allez. Tu vas m'expliquer pourquoi tu tagues comme ça, là. Pourquoi tu tagues sur les murs? C'est que c'est interdit? Ça. Ah, c'est pas toi, je t'ai vu en fragment d'Eli. Fragment d'Eli. Faut arrêter, monsieur, hein. Pour dégradation du mur de la ville, ça sera une amende de 500$, s'il vous plaît, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Toi, tu bouges plus! Tu bouges plus! Contre le mur! Contre le mur! Comme ça, on tente de voler ma voiture! Alors, monsieur, vous allez aller en prison pour tentative de vol envers un policier, surtout envers le commissaire! Je suis allé, monsieur, mais bon séjour à prison. Au revoir. Arrêtez de bouger! Voilà. Je vais rester sur ce serveur ce soir. Putain, mais wesh! Bouge plus! Bouge plus, viens là, toi! Putain! Toi, tu viens là, viens là! Viens là, tout de suite, là! Tu crois que je t'ai pas vu encore? C'est la deuxième fois, non? C'est dingue, hein! Allez, suis-moi, là! Merci samouraï, Dieu Paulo, ça fait le plaisir de la venue à toi. Yeah. Ah ben, ah que c'est wesh. Alors qu'est-ce que vous avez fait cette fois, monsieur? GG Hazarus qui est passé level 4, et Esmane qui est passé level 7, bravo à vous deux les gars. Rien. Ah ouais? Donc monsieur, pour encore, tu vous faites chier un peu toute la populace avec vos tags à la con. Vous allez aller en prison, d'accord? Ça va peut-être vous faire réfléchir un petit peu. C'est ça, non, reste là, fuis pas. Monsieur, bonne journée. Au revoir. Voilà. Vous avez eu votre permis? Vous avez eu votre permis, là? Vous avez roulé sur le trottoir? Ouais, vous avez pas roulé, monsieur. Ah, putain. Oui, c'est vrai. Vous savez même pas roulé. Voilà. Ah, bah arrêtez ça, vous! Monsieur, contre le mur, s'il vous plaît! Contre le mur! Contre le mur! Contre le mur là-bas, là! Contre le mur! Contre le mur là-bas, là! Oh, je vais le baiser! Ah, je vais le baiser!
Allez, c'est ça que je fais, moi. Hein? Est-ce que vous avez fait une nouvelle loi, monsieur? Ah non, je vais aller voir ça. Ah, c'est bien, j'adore la 3 et la 4. Pas très résistant, monsieur le maire. C'est un avis personnel. J'ai peur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il, messieurs ? On voudrait vous faire part d'une information. Ah oui, laquelle ? Dites-le-moi. Prends-en une. Vous savez, il y a des malfrats dans la ville. Ouais. Je ne dis pas que j'en suis mais je connais des noms qui veulent du mal au maire. Bah dites-les nous, allez-y. Si je peux avoir une petite somme pour ces informations. Bah dites-les nous et on vous donne la somme. Monsieur, vous êtes pas en position de force là, on peut juste partir nous, vous voyez. Bah vous pouvez, hein, on vous empêche pas. Vous pouvez braquer, vous allez mourir. Non, je suis bien armé, je suis le légendaire. Tachetakou, du coup je ne vais pas mourir, vous inquiétez pas. Non mais là je parle pas d'armes, je parle d'arguments, monsieur. D'arguments? 10 000 euros en argument pour vous. Vous pouvez fermer. Évidemment, je serai avec vous, monsieur le maire, pour vous aider. Allons-y. Oui, monsieur Marcel. Voulez-vous pas que je reste à la porte au cas où il y a des malfrats ou quelque chose? Vous activez votre radio au pire. Ici, je reste là-bas. Je crois que ça marche. Monsieur. Alors, j'ai dit. Non, monsieur. Quoi? J'ai des informations pour vous. Non, monsieur le maire me le dira après. Monsieur le maire me le dira après. Non, c'est important. Si, monsieur le maire me le dira après. C'est bon, vous inquiétez pas, monsieur. D'accord, ok. Monsieur le maire, vous pouvez y aller. Vous êtes attaché, monsieur. Vous allez me battre. Donc, comme ça, vous avez un contrat sur mon garde du corps et vous venez jusqu'ici. Monsieur Tristan, aussi, j'ai un message pour vous. Monsieur, restez là avec lui, je m'occupe de ça. J'ai un message aussi, on m'a donné un contrat sur vous, je dois vous l'avouer. Et moi, j'ai pas d'infos sur vous, je sais même pas, mon métier, c'est de vous abattre, vous comprenez? Ouais. Et j'ai pas d'infos, donc je vais vous prévenir pour une plus grande somme. Si je... Donnez-moi les noms et après il faudra que je vous parle de ce gars. Ok. Alors je peux juste vous donner les noms de famille, c'est resté confidentiel, ils ne veulent pas me les donner. Ouais. Alors je peux... Attendez. Dans ma poche. Kylian, c'est le chef de cette organisation de malfrats. Ouais. Andy, Hubert et Tom sont leurs sbires. Je connais cette famille, c'est la famille Péronique. Au revoir, monsieur. Ça sentait la couille. Merci encore pour le sens. Donc, monsieur, prévenez-moi, je vous ai donné mon numéro tout à l'heure. En plus, je suis sur l'annuaire, appelez-moi hein, si vous avez pris une décision. C'est chaud, c'est tagué sur les murs de la mairie, tu vois. D'ailleurs, il faut que je fasse clair des calmes. Donc, monsieur, vous l'avez payé, monsieur le maire? Non. Ah. Bon, monsieur le maire, moi, ce que je vous propose, c'est, je pense, qui voulait me tuer. Moi, franchement, je suis pas pour qu'on descende. Vous voyez, en fait, il veut qu'on l'appelle pour qu'ensuite, pour qu'on puisse descendre et qu'en plus, il puisse m'abattre. Vous voyez le genre, monsieur le maire. Alors, ce que je sais pas trop comment on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les trois personnes soi-disant qui ont mis contrat et on va demander un petit rendez-vous, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parce que vous dites que on a les noms et puis on a l'annuaire et puis je pense pas qu'il y ait 10 000 personnes qui s'appellent pareil. Bonjour. Reculez. Enculé, monsieur le maire, enculé!
Attendez, monsieur le maire. Bravo. Il existe de l'argent, on vous a aidé, on n'a pas été payé. D'accord, alors on va faire un 1, monsieur avec les lunettes bizarres. Va falloir vous rentrer dans le CES, vous faites rentrer dans le CES le monsieur avec les lunettes, s'il vous plaît. Par contre, monsieur, je dois vous informer, j'ai une arme sur moi. Ah bah vous rentrez pas, monsieur, désolé, vous rentrez pas. J'ai une arme sur moi, comment bah, je... Vous nous la passez dans le CES, on la prend, vous la rendrez après, d'accord. Ok. Vas-y, tu ouvres le premier CES. Ouais, au pire, ouais, tu passes par-dessus. Ouais, bah, vous avez failli mourir. Bah, c'est notre vie qui a été en jeu, pas la vôtre, hein. Ok, donc, ça, monsieur le maire, je peux avoir une licence d'arme, du coup? Il est armé, monsieur, il est armé, maintenant. Bah... Demandez. Allez-y, vous pouvez le faire. Je peux pas, là. Si, avec votre téléphone portable en wifi, ça marche. Avec l'application demandezaumaire.com. Ah, dans ce cas, jetez votre arme, s'il vous plaît. Ça marche pas, monsieur. Jetez votre arme et vous ne la passez pas au-dessus, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité. Je la veux, ma... Ouais, bah, vous jetez votre arme et vous nous la donnez. Et on vous la rendra après. Sinon, bah, on vous invite à partir. Monsieur, qui me dit que vous allez pas prendre mon arme? Bah, monsieur, c'est par simple sécurité, voyons. Bah, dans ce cas, monsieur, je vous dis au revoir. Vous voulez pas nous faire confiance ou on vous fait pas confiance? Au revoir, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai le droit d'avoir mon argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah là là, monsieur le maire, c'est dingue. J'ai eu un accord, monsieur, vous êtes où? Là? Ici. On va peut-être vous laisser rentrer, monsieur. Oh, si on rentre, on n'aura pas d'armes. Monsieur. Tirez! Ah. En tout cas, ça utilise bien les keypads, hein. Bah non, mais en fait, on a un bouton. Merci, si, ça fait le plaisir de venir, tu vois. Désolé, je sais pas comment on prend ça. Ouvre l'ascenseur, l'ascenseur. Go ouais. Non. Regarde. Oh putain. Chachou est toujours là. Vous allez mourir. Non, je suis mort. Voilà! Je suis mort, monsieur. Bim! Oh, c'est quoi ça? Attends, y a un monstre bizarre là! C'est un Yeti? Non, c'est pas un Yeti, attends, je vais le chasser. C'est un singe! C'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi? Oh! C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Salope! C'est quoi ce truc? Merci, à demain. Tu m'as fait peur. À demain. Oh! On va je mourir. Brûle! Cours! Je brûle! Cours! Attention! Elle est où ma spire? Elle est là! Elle nous suit! Cours! Qui court tout nu dans les plaines. C'est... Quoi? Oh putain! Arrête! Et non, ils vont pas nous bloquer, ces enculés! Oh putain! Ta gueule! Oui! Putain, c'était énorme quand même! Oh putain, ça t'a fait des peurs! Au début, j'ai cru que c'était genre, tu sais, un babouin! Ouais, moi, tu sais, au début, moi, ce qui m'a fait trop peur, c'est quand d'un coup il s'est étiré! Ouais. Avec ses grands yeux, il a fait... Oui! Tu sais, moi, c'est quand il a fait une espèce de deux boules vertes là, en dessous son menton. Mais oui, avec ses deux yeux là. Non, c'était sur son menton, on aurait dit une grenouille. Je sais pas. Oui.